Eh bien bonjour à tous, c'est Baïgo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Le petit coussin qui est toujours derrière, évidemment. Au programme aujourd'hui, nous allons avoir, on va aller voir dans le calendrier, deux matchs très importants. Nous sommes en avril, le 22 avril nous avons le match de la finale de la Coupe de la Ligue. Oui, car je sais même pas comment j'ai fait pour arriver en finale. Je me suis même pas rendu compte, je jouais tranquillement, je passais mes tours petit à petit, puis là je vois, hop, petite finale de la Coupe de la Ligue d'abord, je suis ok, nickel. Et après la finale de la Coupe de France, contre Guingamp, qui a aussi réussi à se hisser jusqu'en finale de la Coupe de France, donc du coup nous, on est dans les deux, et on est plutôt pas mal. Pour la première, je prendrai, donc pour la Coupe de la Ligue, je prendrai l'équipe, la deuxième équipe, quoi, l'équipe B en gros, et pour la Coupe de France, je prendrai l'équipe A. Nous allons voir de suite le classement de la Ligue 1, parce que du coup on va pas toucher à ça, on va pas toucher à la Ligue 1 pour cet épisode. Le classement de la Ligue 1 de suite, alors vous allez voir, on est, je vais vous dire ça de suite, hop, Ligue 1. Donc nous sommes actuellement 4ème derrière, donc Paris qui est premier, loin devant avec 17 points, Monaco qui est deuxième, loin devant avec 11 points, Saint-Étienne qui est troisième avec seulement 2 points. On n'a que 2 points de retard sur Saint-Etienne. Il reste 5 matchs. Donc tout est faisable pour accrocher une 3ème place. Après, on a pour objectif la Ligue Europa. Donc normalement, on a 9 points d'avance sur Rennes. Normalement, la Ligue Europa devrait être acquise. Voilà, c'est pas fini. On va se donner. Enfin, on va aller à fond jusqu'au bout. On peut voir aussi qu'on est l'équipe qui a le moins de défaites, seulement 2. Par contre, on a le plus de matchs nuls avec 17. Ouais, j'ai pas arrêté de faire des matchs nuls. On peut voir que j'ai mis que 39 buts, j'en ai chié pour planter des buts, mais je commence à progresser petit à petit. Ça fait plaisir. On peut voir aussi, peut-être rapidement, tant qu'on est dans les stats, des petites statistiques un peu des buts. Alors là, on est sur la Coupe de la Ligue. Non, moi, je vais aller sur la... S'il vous plaît, on va regarder juste le championnat. Voilà, donc premier c'est Di Maria avec 20 buts, il met une branlée à tout le monde. Nous, notre premier joueur, il est très très loin, c'est Menez avec 7 buts. Voilà, on n'a pas mis beaucoup beaucoup de buts, non hop, reviens en arrière, voilà. Sinon, niveau des passes décisives, donc le premier c'est Falcao, et nous c'est Sanchez avec 5 passes décisives. Donc voilà, on n'est pas au top au niveau du classement individuel des joueurs. On va essayer de se torcher les fesses pour y arriver. Voilà. Du coup, pour l'équipe que j'ai décidé de mettre pour cette première finale, on aura donc Kalulu et Mor en pointe avec Menez en milieu off, Kamano à droite, Piaka sera plus simple, même si les vrais, les puristes, les croates, je crois que c'est croate, diront autre chose, on va dire Piaka, ce sera plus simple pour tout le monde. Toulala en milieu def, Sertic et Levkzuk en défense centrale, Punja à gauche, Gaïc à droite et Dragovski en gardien. J'ai toujours le problème des joueurs, je sais pas ce qui se passe. On n'a toujours pas réussi à atteindre l'objectif alors que je fais rentrer des joueurs régulièrement en match. Régulièrement, moins 1 de temps en temps. Je suis toujours pas à 20, donc ça se trouve je suis à 19, mais j'ai toujours pas atteint l'objectif. Ça commence à m'embêter sérieusement. Donc on va essayer de vite y arriver. Puis en attendant les amis, on se rejoint pour le prochain match. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour cette finale de la Coupe de la Ligue. On est au Parc des Princes. On n'est pas au Stade de France. On s'est fait voler. Voilà, on s'est fait voler. Il a l'air de faire beau. Feu. Allez, c'est parti. Allez, mon petit Kamano. On fait à droite pour mort. Mort. Menez. On remet à mort. Mort. Mort accélère. Mort la frappe. Détourné par un défenseur. J'ai tenté, ouais, j'ai tenté. Après, j'ai hésité à revenir en arrière, mais je me suis dit que j'allais me faire prendre la balle. On sait jamais, c'est pas passé. Corner. Allez. Putain, le corner de... Oh ! Allez, elle était mort qu'il a pris de la tête, je suis assez étonné. Attention. Levkzuk. Il se fait prendre au piège. Levkzuk. Joli le tacle. Levkzuk. Tire au-dessus. Bon les amis, pour le moment, pas grand chose à se mettre sous la dent. Je crois qu'il n'y a eu aucun tir des deux côtés. Ouais. Ouais, c'est pas la joie. Allez, c'est parti à gauche. Pour Piaka. Et pourquoi Piaka il fait pas les gestes comme tout le monde? Piaka! Allez Menez! Oh là là!
J'étais en train de râler parce que Piaka, je suis tenté de faire un petit geste technique, tac tac, il a pas fait, il s'est juste retourné. Du coup, je commence à dire oui, putain, pourquoi il fait pas les gestes comme tout le monde? Et en fait, il a bien contrôlé, enfin, il a bien protégé la balle. J'ai pu faire la passe à Menez, et puis après, c'était genre, enfin, j'ai tiré, c'est retombé dans les pieds de Menez, et puis c'était un peu, voilà, un peu de la chatounette, hein, on va dire ça comme ça. Ça fait un zéro. On se lance bien. Allez, poulet. Allez, poulet. Vas-y, poulet. Attention, ça va tirer, ça va tirer. Les gars, pourquoi vous partez? Pourquoi ils partent? Les vues que j'ai pas compris là, j'avais pas le bon joueur, c'était super les gars, Simer, merci, c'est pour nous, voilà, oh non, je pensais pas qu'il avait encore enregistré le truc, c'est bon, premier qui est devant, putain, voilà le tacle, voilà, 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 allez attention, ça accélère sur le côté droit, ça repique un peu au centre, ça va centrer. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Désolé pour la chaise. Putain, voilà. Je suis tellement deg, quoi. C'était quoi, ça? Voilà, je suis dégoûté, quoi, de prendre un but de merde comme ça, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, tout le long? Et le pire, c'est que j'appuie sur aucun bouton, quoi. Il y va tout seul. Et je demande pas au gardien de sortir non plus. Hein. Voilà, voilà. Donc, du coup, bon, pour remarquer, avant la fin de la première période, ça va pas être facile. Mais non, c'est pas pour lui, putain, mais ça, sérieux, le jeu là, il est en train de me bizuter. Ça va être la mi-temps, voilà, c'est la mi-temps, les amis. Un partout, je suis dégoûté, parce que franchement, ce but, c'est vraiment un but donné. Il y a autant de tirs de chaque côté, on n'est pas bon au niveau des précisions de passe, on va se bouger les fesses, c'est parti. Non, j'essaie de mettre une grosse pression, hein, mais à vrai dire, c'est chaud. C'est chaud du slibar, parce que là, ils font bien tourner, les Toulousains. Ils ont décidé de bien faire tourner. Hop, on... Putain, t'es sérieux, là? C'est quoi ce vieux tacle glissé qui me fait punger? Il est super mauvais, quoi. Prends un jaune, du coup. Bon, mais du coup, là, occasion de but pour eux. Attends, lui, tout seul devant. Voilà. Je le laisse pas tout seul. Voilà, bon, gardien, il y va aller. Il y va aller. Oui. Allez. Allez, voilà. Putain, mais j'ai même pas le temps de faire mes passes qui sont... Ils sont 150 sur moi, quoi. Oh non, putain, j'ai la poisse. Là, j'ai la poisse dans ce match. Je défends, on va dire, plutôt bien, mais il y a toujours un de mes joueurs qui est là pour me contrer mes balles. Putain, mais les gars, leur donnez pas les balles, hein, comme ça. Ça va pas le faire, sinon. Oh là là. Je prends l'eau. Allez, bats-toi. Putain, mais c'est pas possible, il me contourne, mais genre, c'est facile, quoi. Braithwaite, oh là là. Oh là 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 là. Putain, c'est sévère. Hein. Allez, faut qu'on se bouge le trou du cul, les gars, là, hein, un peu. On garde les changements pour plus tard, on sait jamais s'il y a les prolongations. Peut-être un petit changement quand même, histoire de... Voilà, parce que là, au bout d'un moment, les joueurs, ils sont bien crevés. Punje, il est pas bon. Putain, le truc, c'est que là, ils sont tous crevés, en fait. Ça va être chaud. Je crois que je vais repasser Certic à gauche. Je sais, c'est moche, mais... Faire je regagne au centre. Toulalan, il est cuit de chez cuit. On va rentrer Sanchez. On va rester comme ça pour le moment. Est-ce que j'aurais bien voulu faire jouer un remplaçant, enfin un jeune. Bon, on verra après. On en garde un quand même sous le coude. J'ai rien qui a bien tourné, à part le but du début. Qui a rien marché dans ces 90 premières minutes. Franchement, je suis pas bien. Donc on est à un partout. On n'a pas fait un tir en seconde période. J'en ai vraiment chié sévère, ils en ont fait deux, mais au final, ils en ont pas fait beaucoup plus. Seconde période, complètement nulle. On va essayer de sortir les doigts, mais là, j'ai tous mes joueurs qui sont crevés, ça va pas être facile. Allez, on continue. Non, par contre, là, les gars, si personne n'y va... Ouais, on est fini, là, on est fini. Je trouve aucune solution. Allez, c'est la mi-temps des prolongations, il s'est absolument rien passé, à part des fausses blessures, pas de tir, on continue. Feu. Avant de commencer, on va utiliser notre dernier changement, du coup. Et là, le mec le plus épuisé, je sais pas lequel c'est. Ils sont tous cuits, quoi. Et j'ai que Sabali qui est potable, après les autres, c'est que des petits jeunes. Payard, ouais. Beaumont, ouais. On va faire rentrer Beaumont à la place de Camano, parce que, voilà. Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Allez, feu. Putain, t'es sérieux aussi, là? Allez. Je sais pas qui l'a faire, je panique. Voilà, Menez, Sanchez, Kaloulou, mort. Non mais là, mes joueurs ils sont tellement séchés que je peux même plus avancer, quoi. Puis Toulouse, ils sont bouillants.
Je m'attendais vraiment pas à ça de Toulouse, tu vois. Franchement, je trouve rien. Aucune solution. Là, à gauche. Oh, c'est pas assez fort, putain. Et quand j'ai des petites solutions, je chie mes dernières passes, quoi. Tout le temps. Mais j'y crois. J'y crois encore et encore. J'y crois toujours. La frappe! Il n'est pas gaucher, ça se voit. Oh là 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 là. J'ai essayé de la mettre en fait sur le poteau droit. La croiser. Je crois que je l'ai un peu trop croisée en fait. À vrai dire. Voilà. Entre nous, elle est un petit peu trop croisée. Mort! Mort à l'enroulé! Oh non! Oh là 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 là. Oh là 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 là, celle-là, elle était cadeau, quoi. C'est bon, Menez là. Menez. Oh non! Oh non! Oh non! Oh, j'ai tiré. J'ai paniqué, j'ai tiré. C'est vraiment, plus j'ai paniqué. Du coup, j'ai tiré. Voilà. Mais au final, ça m'a pas apporté grand-chose. Oh non! T'es sérieux? Il est sérieux, les Xuc, là? De ce trouage? Oh là là, bien joué Rugani, putain. Tir au but. Écoutez, rien qu'en une prolongation, on a fait quasiment autant de tirs que tout le match. Voilà. Et on a fait des bonnes possessions de balles. Allez, on est chaud, les amis. On commence. Alors, et j'essaie de m'entraîner, mais... Putain, c'est vraiment trop chaud, ces putains de pénalty, quoi. De merde, là. Allez. Tire à gauche. Ah, le bâtard, t'es sérieux. Bon, on va les perdre, hein. Les tirs au but, je crois que j'en ai gagné qu'un... Depuis le début, bon, j'en ai fait que 3, ça c'est mon troisième. J'en ai gagné un, je sais pas comment j'ai fait, mais... Allez, ça fait plaisir. Un partout. Bon, on a un tir de retard, mais bon. Il recule un peu, c'est qui, c'est très chaud. Putain, il tire tous à droite. Oh, c'est Artic, il a plus de puissance dans les gibbles, ça va être chaud. Enfin, je veux dire, il a plus d'énergie, quoi. Oh là 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 là, t'es sérieux? Attends, j'appuie pas fort. Oh, t'es sérieux en plein milieu, c'est les... Bon, on a perdu cette finale, les amis. Voilà, il me reste plus que Sanchez. Mais bon, écoutez, de toute façon... Voilà, il a mis à côté. Allez, les tirs au but, c'est de la merde. Je vous dis au prochain match. On se retrouve dans les menus. Allez, c'est reparti, les amis. On a récupéré 1 000 000 quand même sur cette coupe. Bon, la coupe de Ligue, c'était pas très grave, tant pis. Plus important, c'est la coupe de France. Bon, vous allez voir qu'on va la perdre, hein, avec la chance que j'ai ce soir. Je crois que ça va être la crise. Ce qu'on va faire là, les amis, c'est qu'on va faire une petite pause en allant voir les joueurs. Les joueurs un peu du centre de formation. Petit point là-dessus, ça va faire plaisir. Donc, on a lui qui vient juste d'arriver dans le centre. Il peut être pas mal. À voir plus tard, il a déjà 17 ans, ça qui est embêtant. Nicolas Castel, lui... a des bonnes notes physiques et même techniques. Il a 16 ans, mais le truc, c'est qu'il a un potentiel trop large encore, entre 70 et 90, donc à voir. Laurent Charpentier, un peu le même profil, quoi. Il a un potentiel trop large. Stéphane Mallet, lui, 71-91. Défense centrale, il a de très bonnes notes physiques et une bonne agressivité déjà de base. Note technique un peu faible, mais je pense qu'il y a moyen quand même qu'il progresse bien. Adriano Amaral, c'est un futur gardien qui a déjà un potentiel de 82 à 94, donc c'est plutôt bien. Il a déjà de bonnes petites notes, ça fait plaisir, il a 16 ans. J'attends un petit peu, puis je vais bientôt le recruter. Jérôme Pesquet, parce que c'est bon, il a 74-90 de potentiel. Je sais pas trop ce que ça va donner, il a un bon physique, mais bon, après ça reste un peu léger. Aurélien Paillard, lui, très léger. Je sais pas pourquoi je le garde, parce qu'il est peut-être rapide, c'est pour ça. Donc on verra ça plus tard. Raphaël Henriquez, lui, gardien, 73 à 91, lui, je pense que je vais pas forcément le garder, on va voir comment il évolue, mais pour le moment, c'est pas le top. Laurent Richard, potentiel 81 à 94, ça peut être pas mal, un buteur, qui a de très bonnes notes physiques, une bonne agressivité, après, il est un peu light niveau technique, même s'il a 61 en tir de loin. Jérémy Martin, qui a déjà 18 ans, qui a un potentiel 76 à 90, 18 ans, ça fait beaucoup, je suis pas sûr de le garder. On va attendre un petit peu, mais ça va être chaud. Hugo Azevedo, 74-88 de potentiel. Il est assez rapide, mais pareil, 18 ans. 18 ans, quoi. 18 ans, c'est vieux, donc ça va être chaud. Nicolas Chevalier, un potentiel 81 à 91, donc un bon potentiel. Une bonne agilité, il a de bonnes petites notes. Lui, on va voir, on va attendre un petit peu, mais il risque d'être pas mal plus tard. Francisco Tavares, un bon potentiel de 87 à 94. Le régal.
de bonnes notes physiques, de très bonnes notes techniques, lui je pense qu'il promet, il a que 15 ans, ça peut être pas mal. Arnaud Belcourt, le meilleur, potentiel de 91 à 94, un gardien, il va être monstrueux. Lui, il va être monstrueux, il a que 15 ans, on va attendre qu'il ait 16 ans pour le recruter, mais on a déjà trouvé le gardien remplaçant, en tout cas de Dragowski, parce que je pense que Carasso sera peut-être trop vieux pour l'année prochaine. Il y a Prior, j'attends un petit peu de voir comment il évolue. Voilà, voilà pour ce petit point. Maintenant, on va avancer tranquillement vers le prochain match, qui est donc la finale contre Guingamp. Voilà, finale, espérons-le, meilleure que la première. Le petit rapport disponible, ouais. J'irai voir ça plus tard, ok. En attendant, les amis, on va se faire le match contre Guingamp avec l'équipe. On va aller voir l'équipe de suite. Cette équipe là, donc cette équipe est quand même plus sympathique. On peut voir que Malcolm a déjà 80. On verra les notes, les évolutions de chaque joueur juste après ce match. En attendant, moi je vous dis à de suite pour celui-ci. Allez, c'est parti les amis pour cette deuxième finale, cette fois-ci contre Guingamp au Wild Stadium. Voilà, je sais pas où c'est. Coupe de France qui se joue ailleurs, à l'étranger. Pourquoi pas, il pleut des cordes, ça va être la merde. Allez, feu. Allez, attention à cette offensive. J'ai paniqué en sortant le gardien, c'est bon. C'est bon, il tire à côté. Franchement, j'ai eu un peu peur. Hein. Malcolm. Sanchez. Vada. Oh, la parade du gardien Vada qui avait bien ouvert son pied. Pas assez apparemment. Ça aurait pu être plus dangereux que ça. Allez. Allez, petit corner. Voilà, parfait, là, il est bien. Sur Poulsen. Le tir était cadré, mais trop facile à arrêter. Malcolm qui est bouillon. Vada. Poulsen. Vada. Là. Allez, hop. Vada. Vada qui déborde. Vada. Le petit centre. Trop sur le gardien. Lozano. La frappe. Pas assez dangereuse, pas assez puissante. Oh là. Et là, c'était tendu. Beau tir de Pau. Un peu trop fort du coup pour lui, pour le coup, c'était trop puissant. Bien joué, Palois. Poulsen. Sanchez, la frappe. L'arrêt du gardien Martins, je sais pas quoi. C'est pas Martin, c'est ce que j'ai dit. Sorin. C'est Sorin, non? Putain, Sanchez qui avait fait un beau petit râteau, mais trop sur le gardien, la frappe, c'est bien, bien dommage. Attention, ça joue bien. Bien joué, ça, Carasso. Mi-temps, les amis. 0-0, on a des occasions, on a 6 tirs, ils en ont 3. On est quand même dominateur dans tout le match. On a une bonne précision de passe, mais on trouve pas l'ouverture du score, on sait pas où aller. Voilà, on va chercher, on est allé au vestiaire et tout. On sait pas. Du coup, on va se mettre en ultra offensif. Feu. Allez. Lozano. Sabali. Malcolm. Sanchez. Malcolm. La prune. Putain, encore la parade, mais c'est pas possible quoi. Allez. Lozano, il déborde. Voilà, un petit peu de vitesse. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui... Putain, mais t'es sérieux. Il est sérieux, lui. Il est sérieux. Attention à ce corner. What the fuck. T'es sérieux. Les mecs, ils se font des passes dans ma surface, quoi, les gars. Qu'est-ce qu'ils font, mes joueurs? Ils font rien, quoi. Allez, on continue, ça m'énerve. Allez. Voilà, ça fait plaisir les amis. J'étais concentré pour le mettre celui-là. Un partout. Comme tout à l'heure, c'est pas fini du coup. C'est vraiment pas fini. Un partout. Je prie. Abemous papam. Putain. Allez, on revoit le but. Beau contrôle. Hop, et le petit tir sur le côté. J'ai cru que le gardien a encore l'arrêté. Franchement, j'ai stressé. Le long du poteau. Ça fait un partout. On continue. Attention à cette attaque. Allez.
Elle est toujours pas sortie pour faire les changements. La balle. Oh, belle parade de Carrasco. On fait un changement de suite. What? Pourquoi ils sont tous cuits? J'ai plus un joueur qui est capable de jouer quasiment. Il reste Poulsen, Malcolm, Sanchez, un tout petit peu Vada, tout petit peu Lozano, un tout petit peu Rugani et Carrasco. Là par contre, il faut que je fasse rentrer du lourd parce que c'est chaud. Je vais faire passer Menez. En fait, Menez, je vais le mettre au centre, Malcolm à gauche. Là, à la place de Lozano, je vais faire rentrer lui. Et puis, j'ai pas envie de prendre un rouge, donc on va faire rentrer tout l'allant à la place de Vada. Allez, c'est parti. Prolongation. Un partout, on a réussi à rattraper. Regardez, on a 10 tirs, 7 cadrés. On a mis qu'un but, quoi. Ça, c'est la poisse. Écoutez, j'aimerais bien éviter les pénaux. Donc, je vais me donner à fond, même si mes joueurs sont cuits. Allez, feu. Allez. Menez. Menez qui a du jus. Camano. Sanchez. Sanchez, elle frappe! Voilà, c'est ça, les gars. Je crois que les Guingampés sont cuits aussi, donc... c'est plutôt une bonne nouvelle. Sanchez, qui avait encore un petit peu de jus, qui doit avoir un... qui doit être bon en endurance, a réussi à nous mettre une prune superbe pour pouvoir faire mal au gardien du côté droit. Le gardien là-bas n'a pas trop eu le temps de l'avoir passé cette balle, et heureusement pour nous, parce qu'elle était quand même plutôt sur lui. Il a eu peur en direct. Oh putain, voilà. 2-1, on continue. Toujours avoir des milieux pas trop fatigués pour éviter tout simplement qu'on puisse perdre des balles trop vite. Menez, lui, par contre, est pas trop fatigué. Le petit tir, putain, le gardien qui sort la parade, je l'ai enroulé sur le côté gauche. Après, Menez est droitier. Mais putain, le gardien, là, il sort son match, par contre. Hein. Voilà, bonne récupération, ça, de Toulalan. Je vous l'avais dit, Toulalan frais, ça fait plaisir. Un Toulalan frais en vaut deux. Oh là là, j'ai tenté un rat-de-terre du côté droit avec Poulsen. Encore un bel arrêt du gardien, hein, qui sort encore la parade. Pourtant, celle-là, je l'avais bien appuyé sur le côté droit. Mais ouais, il s'est bien penché, il s'est bien penché. Écoutez, on va tenter un petit corner. Allez. Allez, boum. Oh là 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 là. Que d'occasions dans cette première mi-temps de prolongation. Mi-temps de prolongation, les amis. Beaucoup d'occasions, un but. Ça fait plaisir, les joueurs se réveillent. Ou alors les Guingampés sont morts. C'est une possibilité. Enfin, mort. Fatigué. Allez, c'est parti pour la seconde période. Attention à ce contre, parce que Palois, il a plus du jus. Palois, il peut plus y aller, les gars. Palois, il peut plus y aller. Palois, il peut plus y aller. Oh là 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 là. Ouais, la Palois, les gars, il a dit... Oui, les gars, je suis fatigué. Sanchez aussi, là, il est arrivé à bout, ça y est. Allez, elle est pour Carrasco, voilà. Voilà, Carrasco qui assure. Et c'est la fin du match. Victoire 2-1 dans la douleur. On a eu quand même les plus grosses occasions, donc c'est quand même largement mérité. Dont celle-ci, voilà. On a fait 14 tirs, je raccourcis le nom. Guingamp, on en a fait 6. On a plutôt bien joué. On est vainqueur de cette Coupe de France, ça fait plaisir. Allez, on se dit à tout de suite. Et bien, re les amis, on se retrouve du coup dans les menus. On a gagné 560 000. On gagne moins en remportant la Coupe de France qu'en perdant la Coupe de la Ligue. Ça, c'est assez étrange quand même. Je pensais que la Coupe de France, quand même, rapportait beaucoup plus. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, on a gagné la Coupe de France, ça fait plaisir. Du coup, on va aller voir l'évolution de nos joueurs. Vous allez voir, il y a des belles surprises. Enfin, des belles surprises. Voilà. Dont celle de Carrasco, qui a encore perdu des points, qui a plus que 79 de général. 35 ans, c'est la crise. Il jouera pas l'année prochaine. C'est sûr, de toute façon, pas le choix. Youssouf Sabali, qui lui a pris plus 1 depuis le début de la saison, et qui prend pas mal de petits plus, qui d'ailleurs je comprends pas pourquoi il est que plus 1, parce qu'il devrait être au moins être à plus 2 vu tout ce qu'il a évolué, mais bon, il prend son temps. Daniele Rogani, qui a pris plus 1 depuis le début de la saison, qui évolue tranquillement, mais qui évolue bien, qui a seulement 22 ans, 80 de général, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Nicolas Palois, lui, n'a pas évolué. Nicolas Tagliafico, lui, a plutôt bien évolué, avec pas mal de plus 1, de plus 2, de plus 4. C'est plutôt bien. Valentin Vana a pris plus 4 depuis le début de la saison, dont plus 10 en passe courte et plus 11 en vista. Il a plutôt bien évolué, mais il a encore pas mal de marge devant lui. Il va être excellent, on verra ça plus tard. Irving Lozano, qui lui a pris plus 2 depuis de la saison, avec pas mal de plus 1, de plus 2, plus 1, 2, plus 3. Il évolue tranquillement à son rythme, c'est plutôt pas mal, je suis quand même assez content de lui.
Adam Ounas a pris plus 7 depuis le début de la saison. Plus 7, oui, juste plus 7. Hein. Passe courte, il a 80 maintenant. Il a 89 en dribble, 87 en conduite de balle, 86 en agilité. Vista, 72, ça c'est un peu light. Il va falloir qu'il progresse un peu plus sur la Vista, mais bon, ça va venir. Il progresse bien, il a encore beaucoup de marge, il fait plaisir. Renato Sanchez a pris plus 2 depuis le début de la saison. Il évolue à son rythme aussi également, il évolue plutôt pas mal d'ailleurs. Hein. Il prend des plus 10 en finition, plus 5 en dribble, plus 7 en tir de loin, de la folie. Malcolm, lui, a pris plus 5 depuis le début de la saison aussi, c'est plutôt excellent. Les mêmes notes en dribble et conduite de balle que Ounas, 75 en finition. Il évolue bien, il évolue bien. Youssouf Poulsen a pris plus 4 depuis le début de la saison et il va très très vite. Il a pris plus 8 en placement offensif, ça c'est pas mal. Il a 75 en finition, 64, 78 en dribble, 74 en tête. Il évolue vraiment pas mal. Il va être excellent aussi. Damien Beaumont, bon, on s'en fout un peu de Damien Beaumont, on peut voir ses stats. Pascal Garnier également, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Fabien Payard, pareil. Barré, on s'en fout. Non, je déconne, non, on verra plus tard. Quand ils seront meilleurs. François Camano, lui, évolue pas mal aussi également. Hein. Plus 4 depuis le début de la saison. Il a quand même 94 de vitesse maintenant. Plus 2 en placement offensif. Il progresse tranquillement. Franchement, il est bien. Il est pas mal, Camano. Il est pas mal. Jérémy Toulalan, lui, perd un point depuis le début de la saison. Et il prend pas mal de moins. Il commence à subir sévèrement ses 33 ans, là. Et franchement, ça fait mal. Ça fait très mal. 33 ans, ça fait mal. Je déconne. Non, non, mais là, franchement, il prend cher et c'est un peu inquiétant. Jérémy Ménez, lui, n'évolue pas. Grégory Sertic, lui, écoutez, il a pris un petit plus 1, puis depuis, il bouge plus. Igor Lexuk, lui, il évolue pas. Arambari a pris plus 2, et c'est bien, je suis fier de lui. Il évolue bien. Emre Mor, lui, a pris plus 8. Et vous avez, regardez ses notes. Plus 15 en finition, il a 80, quoi. De la folie. Et puis, il a encore une marge énorme de progression. Conduite de balle, 86. Dribble, 83. En fait, il dit très bon, là où il faut pour un attaquant. En vitesse, en agilité, en équilibre. Après, en placement offensif, il prend plus 16, donc il évolue là où il faut. Après, conduite de balle, dribble, finition, c'est super. Par contre, précision de tête, 46, ça c'est un peu la tristesse. Mais bon, il progresse un petit peu, il a pris plus 5. Plus 14 en puissance de tir, franchement, il évolue juste pour le poste de buteur. Le reste, il évolue tranquillement. Aldo Kaloulou, lui, a pris plus 2 depuis le début de la saison. Il a pris pas mal de plus 1, petit plus 2. Il évolue tranquillement à son rythme, plus 3 en finition, plus 3 en placement offensif, il va être pas mal aussi plus tard. Milan Gajic, lui, écoutez, il évolue tranquillement à son rythme aussi. Voilà, ça bouge pas grand chose, il est un peu lent, mais bon, on verra plus tard. Marco Piaka, lui, écoutez, il prend des petits plus hein, de temps en temps, par-ci par-là, voilà, parce que ça lui fait plaisir. Paul Bernardoni, lui, a pas mal évolué en jeu au pied. Il prend pas mal de plus tranquillement, à 20 ans, c'est bien, il évolue tranquillement. Jérôme Prior, lui, bah, c'est un peu pareil, quoi. Il évolue à son rythme, comme il faut. Théo Pelnard, lui, bon, bah, écoutez, il a pas beaucoup évolué depuis longtemps. Younes Kaabouni, lui, bah, écoutez, il a plus 9 en dribble, hein. C'est bien, c'est tout, voilà. Bartłomiej Dragowski, lui, il a pris plus 5 en réflexe, plus 6 en plongeon, plus 3 depuis le début de l'année, franchement, il évolue pas mal. Gaëtan Laborde a pris plus 2 depuis le début de l'année, et il évolue vraiment... Trop doucement, je trouve, trop doucement, 22 ans déjà, un peu vieux. Maxime Pouget, plus 2 depuis le début de la saison, des petits plus 1, des petits plus 2, écoutez, ça va, c'est bien. Pablo, il évolue à son rythme aussi, il fait comme il souhaite, hein, parce que je le fais pas évoluer perso, et puis je joue pas. Pareil pour Traoré, enfin, Traoré, il commence à baisser. Maurice Bellé, lui, c'est la descente aux enfers. Encore pire pour Plasil, oh putain, Plasil, il a pris trop cher, quoi. Oh, mon dieu, je zappe. Crivelli, lui, il évolue, il est à Bastia, et puis il évolue bien. Yambéré, lui, il évolue tranquillement. Molin, il évolue à son rythme. Sambissa, tranquillement aussi. Et puis voilà, on est revenu au début. Écoutez les amis, ce sera tout pour cette petite vidéo, pour ce cinquième épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces coupes vous ont plu. Ça a été laborieux, mais on a réussi à gagner la Coupe de France. Du coup, si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour le sixième épisode. Allez, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, ciao.